La guerre des clones était terminée, mais certains semblaient l'ignorer. C'était le cas de Ghisar Delso, un séparatiste géonosien qui avait réussi à échapper à Dark Vador, contrairement aux autres membres de la Confédération. Vador l'a poursuivi sur Mustafar. Ensuite, il nous a demandé de finir le boulot. Ça se présentait comme une mission de routine, mais quand on a vu cette flotte de vaisseaux droïdes dans le ciel, on a compris que Delso n'allait pas se rendre sans opposer de résistance. Commandant, les droïdes se sont posés sur notre vaisseau. Les chasseurs ne peuvent plus décoller. Du calme, pilote. Allez, détruisez ce transport. Il faut dégager le hangar par tous les moyens. On est attaqué. Il ne fallait pas investir. Maintenant, grimpez dans vos chasseurs et donnez une bonne leçon à ces droïdes. Détruisez leurs chasseurs et leurs bombardiers. Attention aux astéroïdes, pilote. Ils sont faciles à détruire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Suivez le bout de la vie. Prends la volonté. Dégâts.
Préparez-vous au décollage. Transmis ses ordres. Il veut que quelqu'un se pose dans le hangar ennemi, vole un bombardier et rejoigne notre hangar. Allez, au travail, pilote. Pilote, le seigneur Vador sera satisfait. Le combat contre les droïdes au-dessus de Mustafar avait éveillé une certaine nostalgie dans les rangs de la 501e. Mais la dure réalité a repris le dessus aussitôt les positions orbitales établies. On avait besoin de prendre du recul sur ce qui s'était passé.